fuori, 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 C'est quel bulletin? C'est un document justificatif. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans les urnes, au lieu de mettre dans les enveloppes, ils mettent les croix, et puis ils laissent ça dedans, ils veulent mettre l'enveloppe dans l'enveloppe. L'enveloppe vide. L'enveloppe vide. Et vous avez découvert ça? On a trouvé ça dans le urne. Où ça? Dans les isoloirs. Qui a trouvé? Qui a vu les... C'est moi.
Mais après avoir voté. Oui, oui, mais les adresses n'ont pas voté, même s'ils ont voté, mais ça c'est nul. Parce qu'il n'y a rien dans l'enveloppe. Les enveloppes sont vides. Non, j'ai dit que vous étiez là-bas tout à l'heure. Oui, c'est pour vérifier. Il faut contrôler. Oui, avant d'aller vérifier, vous y étiez pour voter, non? Moi, j'ai fini de voter. Oui. En sortant, j'ai ramassé en tant que président de l'Europe. Hein? Oui. Mais vous n'êtes pas revenu avec. Vous êtes venu voter, vous êtes reparti quelques minutes après pour dire que vous avez découvert là-bas. Non, écoutez. Non, c'est une question, je voudrais juste m'informer. Je suis parti voter. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Je suis revenu. Ça, parce qu'il y avait ça là-bas. Maintenant, je reviens, j'ai mis dedans pour parler, chercher l'autre là-bas, les feuilles là. Mais quand vous êtes sorti, vous n'avez pas dit que vous avez constaté ça dans l'isoloir, n'est-ce pas? Oui, mais si j'ai pris pour leur montrer que j'ai trouvé ça dans l'isoloir, c'est pas normal aussi. Oui, et quelle est la décision maintenant? La décision, c'est des bulletins nus. C'est des bulletins nus. C'est des bulletins nus. Mais c'est des justificatifs. Ça ne va pas être comptabilisé? Pourquoi? Dans quel livre? Non, je demande, est-ce que ça va être comptabilisé ou pas? Comptabilisé au compte des bulletins nuls? Non, moi je ne sais pas, moi je m'informe. Je vous l'apprends. Ok. Et son nombre de combien, monsieur? Il y a 4. On peut les voir? On peut les voir. Lui, là, lui c'est PEDN. Il a bien coché son livre. Oui. Après, mais il n'a pas mis d'enveloppe. Lui, il a carrément barré les deux. Il a choisi tout le monde. Oui, il a exclu tout le monde. Voilà, il a exclu tout le monde. Oui. Là, c'est le RPG arc-en-ciel. Oui. Il n'a rien mis dedans. Là, c'est encore le RPG arc-en-ciel. Oui. Lui aussi, il n'a pas mis d'enveloppe. C'est des ignorants. Dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Non, non, mais tout est arrêté. C'est arrêté maintenant, on attend les autres. Parce que nous n'oublions pas que c'est... Le matin jusqu'à midi 13h14h comme ça, c'était un seul bureau de voix. Il y a une classe après. Donc les documents que nous avons là, on a commencé le travail dans le même bureau. Il faudrait qu'ils viennent par là et ensemble, on enfile le travail. Ils sont pour l'homme, on les attend, ils sont là.